Bonjour. Motivation matinale. Quand vous allez commencer à monter, comme je vous dis chaque jour, que vous allez monter là. Sur le chemin vers le haut, vous aurez des Decepticons. Vous aurez des Exticons. Vous aurez. En fait, tous ceux qui parlent le tic en dessous, ça, ils seront là. Parfois, vous croyez que vous avez la vue de toutes les couleurs. Jusqu'à ce qu'une autre couleur apparaisse. Tu dis que, mais on a mélangé le bleu avec le rouge, le vert, le violet et l'orange pour que ça donne la couleur, si. Parce qu'elle ne connaît pas comment te donner le nom. Je ne connais pas la couleur, cela, je ne sais pas. I don't understand. I don't understand. Très souvent, quand vous allez commencer à monter, vous m'écoutez depuis un certain temps, voilà. On est déjà habitué à ce que, depuis 6 ans là, tu es dans la même maison, dans le même quartier. Il y a même les coins de ta ville où tu ne passes jamais. Il y a les beaux coins de ta ville, que quand tu passes par là, même si c'est par erreur, tu dis, ah, moi je ne peux jamais vivre ici. Depuis que tu m'écoutes, tu as même déjà, tu es parti là-bas visiter les maisons, jusqu'à tu as dit, prévu que quand j'aurai même 500 000, je vais venir payer ici, là. Je vais m'y vivre dans une maison où je vais payer 250 000 au mois. Oui. Tu as déjà commencé à voir loin, tes yeux là commencent déjà à s'ouvrir. Tu prévois avoir le loyer de 250 000, alors que pour l'instant, ton salaire c'est 250 000. Ça veut dire que tu as la vision. Ça ne leur plaît pas. Attendez, je dois vous parler ce matin. Certains d'entre vous, vous avez quitté certains ex. Les exticons là. Et ils vont venir sur votre profil checker. Checker. Parce qu'ils vous épient. Hein. Ils vous épient. Vous comprenez, non? Que ce soit famille ticone, que ce soit ex-ticone, mari ticone, ils guettent. Ah, mais je vois que. Tu es parti chez Range Rover pour faire quoi l'autre jour? Non, non, je partais demander le prix des Range Rover parce que voilà. Tu vois, non, on m'a dit que c'est 65 000 euros. Hey! Non, c'est maintenant la Range Rover que tu veux. Hein? Écoutez, ces gens-là, ils sont en train de poser les questions, ils sont en train de taper votre ventre. Mais ce qui me gagne dans l'affaire, si c'est que malgré tout ce qu'ils font, parce que ça fait des années qu'ils font ça. Non, je suis nue, non, c'est comment? Masengana. Je suis nue dans ce bijou. Et ça fait quoi? Je me suis réveillée, j'ai pris ça, j'ai mis sur moi. Bon, continuons. Avant que vous ne puissiez commencer à me détourner. Le truc, c'est que depuis les années qu'ils ont essayé de vous détourner, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as dit l'année passée. Tu es resté, tu as dit que. Je peux ouvrir la boutique ici. Ah, qui là-bas, est-ce que tu as l'argent? Il faut 5 millions pour le fonds de commerce. Il faut. Tu dis que je vais ouvrir la boutique ici. 6 mois plus tard, tu ouvres la boutique. Après, tu restes, tu dis, je vais avoir les succursales. Je vais ouvrir dans 3 coins de la ville-ci. La personne vient. Oh, en tout cas, tu n'es même pas. Voilà, tout ton argent part que sur ton business. Écoutez, on m'a fait ça. Toute ton attention part que sur ton business. Voilà. Tu te réveilles le matin. Tu fais comme si je n'existais pas. Tu vas dire que va chanter Aïcha là-bas. Comme si je n'existais pas. Va chanter Aïcha. Ne me fais pas ça. Va chanter ça avec le musique Aïcha. Arrêtez de vos bêtises là. Ouais, voilà. C'est seulement moi qui fais. Oui, tu n'as même pas mon temps. N'est pas la personne qui fait que couture, couture. La personne sort de ta vie. Un an plus tard, la personne te recontacte ou bien la personne tombe sur toi en ville. Oui, je suis en train d'aller vérifier mes magasins. Je t'avais dit que j'avais ouvert 3 magasins, non? Oui, j'en ai même 4 maintenant. Et tu demandes à la personne, qu'en est-il de toi?
Non, je suis toujours. Je suis toujours. Tu vois ma chambre que je louais là, non? Je suis toujours là-bas. Bonjour la reine Babette Emeline. Bonjour et bienvenue. Vous savez ce que la personne va essayer de faire à ce moment-là? Que j'essaie de descendre la femme si fatiguée. Elle n'est pas tombée. Hey, aigle, j'étais enceinte. Aigle, j'étais enceinte. Jesus. Quand tu rêves de la grossesse, il y a deux options. Soit c'est un nouveau projet, un nouveau business qui va fleurir. Soit c'est vraiment la grossesse qui vient. Ok, Marcel. Je n'ai aucun bijou. Je viens de me réveiller. Donc, du coup, tous mes bijoux sont sur la table, là-bas dedans. Bonjour la reine Sarah Christelle. Bonjour. Comment tu vas, ma reine? Je t'envoie plein de cœurs aussi. Les cœurs rouges comme mon vernis. La personne va se dire, mais je l'ai insulté. Tu vas jamais trouver un homme comme moi. Tu as trois enfants. Tes cinq sont déjà tombés. Oh, moi, il te supporte. Personne ne peut te supporter comme moi. Tu m'as dit tout ça. Malgré tout ce que tu as dit et que tu m'as abandonné, je me suis démerdée comme ça là. J'ai avancé. Aujourd'hui, cette entreprise que quand je faisais, tu étais là, tu me regardais comme ça là. Tu me disais, va me faire manger. Et je faisais ta nourriture, je partais toujours continuer mon business. Hein. Aujourd'hui, j'ai les succursales. Je pense même déjà aller ouvrir dans un autre pays. Je pense aller ouvrir dans notre pays. Toi, tu as encore ton petit fonctionnaire là. Tu dois avoir tes 150 000 au mois. Tu te rappelles à l'époque là, quand tu touchais 150 000, tu me faisais souffrir. Pour me donner 25 000, tu me faisais souffrir. Bonjour les rois et les reines. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partager ma vidéo. J'ai envie de danser. Il me faut danser du jazz aujourd'hui. Louis Armstrong, il est très bon dans le jazz. J'aime beaucoup. Je suis pas là pour interpréter les rêves ce matin. Vous avez compris. Voilà. Du Frank Sinatra, ça ce serait bien. Ok, sortons du jazz. N'est-ce pas, voilà la personne qui tombe sur toi. Vous savez ce que la personne va faire? La personne va te rappeler tes erreurs. Tu vois, quand il était avec toi, quand tu étais encore, quand tu valais seulement 50 000 francs le mois. Hein? Merci beaucoup, la reine Nathalie. Monsieur Télésphore, je vais venir en Guinée équatoriale, un de ces quatre. Je vais venir. Parce que je n'ai pas beaucoup de gens de Guinée équatoriale qui me contactent. Mais je vais considérer. Quand tu valais 50 000 et que tu avais seulement ton rêve, tu rêvais seulement. La personne t'insultait. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous n'osez même pas dire vos rêves. Vous n'osez pas dire vos rêves avec. Donc, à vos partenaires. Parce que tu sais que dès que tu vas dire, c'est les injures. On va prendre tes rêves, on va utiliser ça contre toi demain. Écoutez, hein, les rêves se réalisent. I will tell you. Je parlais hier avec une d'entre vous, là, une reine comme ça. Et là, elle me dit, elle me racontait son histoire. Et elle me dit que la raison pour laquelle elle saute tellement dans ce que je dis. C'est que une nuit, elle s'est assise sur YouTube. Elle est allée dans toutes mes vidéos. Elle a regardé jusqu'à depuis 2016. Elle dit que tu peux voir mon évolution.
Quand en 2016, tu étais comme ça. 2017, tu étais comme ça. 2018, tu étais comme ça. 2019, tu étais comme ça. 2020, tu étais comme ça. 2021, tu étais comme ça. 2022. Ce qu'on voit en 2022, c'est le résultat de ce que tu as vu. C'est le résultat de ce que tu as vu depuis. Et beaucoup d'entre vous, quand vous avez vu, on vous a traité de fou et de folle. Vous devez partir sur ma chaîne YouTube parce que je vais commencer à faire des lives chaque soir sur YouTube. Comme ça, ceux qui sont abonnés sur YouTube, vous pouvez. Il y a un système maintenant par lequel vous pouvez envoyer de l'argent. Vous pouvez me faire des dons pendant que je parle sur YouTube. Donc, je vais commencer à faire beaucoup de lives sur YouTube. Et je vais intensifier les séances de lecture, interprétation de rêves, lecture de ceci. Je ferai un peu plus ça. Donc là, je suis en train de mettre le décor pour me poser vraiment pour faire ces choses-là. Donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes la seule personne à croire en vous. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de deux personnes. You don't need two people. Moi, je dis toujours, au lieu d'être mal accompagné, putain, je suis seule dans mon film. Et je peux vous dire, je peux même pas compter le nombre de fois où j'étais seule dans mon film. Seule dans mon film. Quelqu'un t'abandonne comme ça, il te laisse la maison, il ne paye pas le loyer, il part. Comme parlant. Tu restes comme ça, tu l'appelles, même il ne décroche plus. C'est 4 mois plus tard qu'on te dit qu'on l'a vu dans une autre ville. Tu as laissé avec les enfants, parti. Tu restes comme ça là, tu dis que je commence comment? Je commence en haut, je commence en bas ou je commence au milieu. Je fais comment? Te voilà, tu dans ce trou là. Donc, tu vois, quand tu es tombé, ce que tu as touché le bas, hein, il n'y a plus le bas du bas. Comme on dit, le beau des beaux, il n'y a pas le bas du bas. Oh. Quand tu es en bas, c'est bas. Bas, c'est bas. Bas, c'est bas. Il n'y a plus le bas du bas. Et c'est qu'il y a le beau des beaux, mais il n'y a pas le bas du bas. Donc, quand tu touches là, maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous êtes dans le bas. Et vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas descendre plus bas que là où vous êtes. Tu es l'actrice de ton film. Tu es l'acteur de ton film. Il n'y a que toi. Télésphore, je fais des consultations à distance. Même ceux qui sont au Cameroun, je vais vous consulter à distance. Je vais vous consulter à distance. Vous allez arrêter votre truc et il doit te voir. Vous n'allez pas me figer dans un pays, c'est quoi? Ne me figez pas quelque part. Quand tu es dans le bas, un des avantages, tu peux gérer l'énergie qui est autour de toi. Je fais mon sel, je fais mon don, je fais ceci, je fais cela. Je me lève le matin, je mets la vision de ce que je veux faire. Et certains d'entre vous, tu as 40 ans, 49 ans. Je veux le mari, tu es folle. Tu n'as pas un terrain, tu n'as pas une maison que tu as construite, tu n'as rien, tu n'as aucune source de revenus, tu cherches l'homme de quoi? Hop. Je veux me marier. J'ai 45 ans. Il faut que je... Regarde. Ouais. Parfois, il veut comme ça, il dit que je vais maintenant vous consulter avec le bâton. Ça ne va pas te chicoter un peu bien. Certains d'entre vous, on ne vous a pas fouetté dans votre vie. Vous-même, ne vous fouettez pas. Voilà le jour que c'est levé, tu ne connais même pas ce que tu vas manger aujourd'hui. Tu es là comme un chien affamé. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Mais vous êtes folle. Vous êtes folle. Quand une femme a ses moyens, hein, mettez les têtes de mort, c'est bien, pas de souci. Bonjour mes ennemis. J'ai oublié de vous saluer aujourd'hui, c'est pour ça. Ouais, mes ennemis. Bonjour mes ennemis, comment vous allez? Vous avez bien dormi? Vous savez que je dois triompher en votre présence, donc c'est bien comme vous êtes arrivé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous. La file d'attente des ennemis est très longue. Dans la salle là, je ne sais pas si vous avez trouvé la place là-bas. Vraiment. Mais asseyez-vous quand même. Ok, continuons. Tu restes là, tu es aussi là comme ça. Est-ce que c'est lui? Tu es au téléphone 3 heures de temps. À la fin, ce n'est pas concluant. Tu dis que ma chérie, tu
tu es folle, tu es bête ou bien tu es conne ou bien... C'est quoi ton problème? Quand tu as l'argent, hein? Mamie, kapou. Kapou. Pardon. Regarde mes dents. Pardon. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, l'argent est bien. Quand tu as l'argent, hein, tu ne considères plus n'importe quel dragueur. Prêche, Jocelyne. J'aime prêcher comme ça. Ça me plaît. J'ai envie de sauter. Avant qu'un homme vienne commencer à te dire que je veux te... Je vous ai dit que je voulais faire l'agence de... je vais faire l'agence de Escort Boy. Voilà. Parce que... Il y a beaucoup de femmes qui elles ont leur agent, mais elles ne connaissent même pas où elles vont aller pour trouver. Si elles veulent un homme pour la soirée ou bien pour la semaine, tu vois. Tu vas aller à Dubaï, tu vas aller faire le Habibi. Tu as besoin d'un Joe qui va t'accompagner à Dubaï. Et c'est, j'ai les idées. Moi, j'ai l'esprit trop ouvert. Continuons. Quand tu as ton agent, premièrement, ça réduit. Tu vois, ça évite les choses que wow, j'ai payé ton loyer. Je viens chez toi dormir quand? Non, parce que tu as sorti. Quand tu vas parler même de loyer, là, quand tu as lui dit la somme, que mon père, est-ce que tu as 400 000 francs que tu veux? Mon loyer, c'est 400 000. Hein. Il va dire, excuse-moi, je me suis trompé de porte. J'arrive, bye. Oh, Seigneur. Oh, mamma mia. Oh, sugar. Seigneur. Il dit que... Je te lève le matin comme ça. Je vais aller manger sur le toit de l'endroit là. Petit déjeuner 150 euros. Ou bien en France, il fait peut-être 30, 40 000 même. Je pense que dans les villes, les déjeuners les plus chers dans les grands hôtels, c'est peut-être dans les quoi. En Côte d'Ivoire, truc là-bas, Sofitel, c'était quoi, 30 000 francs le petit déjeuner. Tu te lèves, tu dis chauffeur. Il arrive là-bas, tu prends 30 000, tu claques, puf, à midi, tu dis bon, il faut que je parte me manger à 70 000 quelque part là. Le salaire mensuel de quelqu'un, tu portes, tu pars, pouf, tu plaques. Donc, après la fin de journée, tu as mangé 200 000. Bon, maintenant, après la journée, tu dis que tu veux faire un peu de shopping. L'argent est sucré. L'argent est bien. Vous me comprenez, non? L'argent est bien. L'argent est bien. Il y a un niveau que quand tu es là pour te draguer, je suis arrivé une fois dans un resto. Je crois que c'est quand j'étais en Côte d'Ivoire. Un monsieur assis avec sa femme. Ils sont en train de manger. Leur enfant vient me voir. Le bébé fait, hey, bébé, je le porte un peu. Je crois que le bébé là devait aimer les belles filles brunes. En partant, le monsieur paye ma note. Il dit à la caissière, je paye sa facture et il laisse son numéro de téléphone. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, voilà les bonnes stratégies. Tu peux arriver quelque part. Il y a une meuf qui était venue de France et me dit, elle arrive à l'aéroport. L'autre lui a acheté les lunettes Gucci pour la draguer. Il dit, mamie, prends tout ce que tu veux dans le magasin, si. Il fait comme ça, non. Tu prends un truc, peut-être, supposons, de 200 euros. Il paye. Tu peux prendre ta part, même. 500 euros. Tu déposes. Tu payes. Il va te regarder comme ça, là. Si la fille, s'il peut sortir 500 euros, elle achète sa chose à elle-même. No be small girl. No be small girl. Vous m'écoutez, non? Aïe, on vous a trop simplifié. Yé, yeah, aigle, ne dis pas que c'est moi qui t'ai fait mettre ton copain dehors. Ouais. Pardon, tu peux dire comme ça, les hommes du direct, ils croient que je vous fais vous chasser vos hommes de la maison. Pardon. Bon, si tu l'as mis dehors, ça veut dire qu'il vivait chez toi. Bon. Bon, peut-être que je te l'accorde.
Aïe. Si tu l'as mis dehors, ça veut dire qu'il vivait chez toi. Seigneur. Ces personnes vont vouloir. Et quand tu le mets même dehors comme ça, puisqu'il connaît tes faiblesses, le tout c'est que quand tu sors avec quelqu'un, tu dois être. Ton cœur doit être stérilisé. Tu vois, non? Tu javelises, tu stérilises, tu fais bouillir dans l'eau, même 5 heures de temps. Si bien qu'on fait n'importe quoi, tu mets même le formol sur ça, que c'est déjà mort. Que c'est déjà mort. Parce que, comme il connaît qu'il ne peut pas te toucher avec l'argent, parce que la première chose qu'un homme fait quand il veut te refuser, il veut te faire mal, si c'est lui qui te donne l'argent. Une femme est venue hier pour que je la lave. Elle me dit, ça fait 15 ans qu'elle avait un homme. Ah, oh, les femmes belles, brunes, avec les formes, les seins, les vaisseaux. J'ai dit, hey, les femmes, vous ne connaissez pas ce que vous avez. Ça fait 15 ans qu'elle avait le monsieur. Ils ont 3 enfants. Quand elle était enceinte du premier, le monsieur est parti marier une autre femme dehors. Il ne l'a pas épousée, elle est. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas épousée. Parti doter, épouser une femme. Elle a seulement entendu dans les coulisses. Comme ça, elle se retrouve comme ça, là, comme pian. Elle se retrouve dans la polygamie, non? Et elle, on ne l'a même pas épousée. Alors qu'elle était là avant l'autre. Bon. Non, aigle, tigre, tigre, c'est bien. Comme il vivait chez toi, là, c'est bon. Deuxième enfant. Il peut encore faire le mariage avec une autre. Donc, elle est troisième femme. Elle est troisième femme. Alors que elle était là avant les autres. Et je lui demande qu'aujourd'hui, tu as une activité. Je vous ai dit que vous devez avoir des activités. Pas une, des activités. Non, Nada me dit, je n'ai rien. J'avais commencé un business une fois. Je faisais venir des mamies du Cameroun pour vendre. Je faisais venir la nourriture du Cameroun. Tu as arrêté pourquoi? Parce que j'ai fait, mais après j'ai encore pris l'argent. Elle est dans une maison que lui, il a construite. Elle a fait quelques finitions. Le terrain appartient au monsieur. Il n'a pas mis sous le nom de ses enfants à elle. Donc, hey, j'ai dit qu'à la femme, c'est où tu es bête, où tu es bêticonne, où tu es quoi là-haut. Yay. Elle commence son commerce, elle prend encore son propre argent. Elle n'a pas fini la maison du monsieur dans laquelle elle vit. Et elle sait que à tout moment, s'il meurt aujourd'hui, on la sort de la maison. L'homme la meurt, on lui dit sort et elle sort. J'ai dit, ma chérie, j'ai insulté. Ouais, vous dites, je vous insulte. Ça n'a pas été gifle même. Ah. Que non, quand on a des problèmes, il coupe tous les vivres. Il ne me donne plus l'argent. Il peut parfois faire 3 mois, il ne donne plus l'argent, il ne dort plus chez moi. Ma famille, chatarabakasa. Vous voulez me faire parler en langue ici là? Oh. Si c'est l'envoûtement, hein? Si c'est l'ensorcellement, hein? Si c'est l'encroix là-haut. Oh putain. Non. Pourquoi tu ne reprends plus l'activité? Pourquoi tu vas lancer une autre activité? Va lancer une autre activité. Ariane, c'est l'argent qui te guette. Tu rêves que tu es en couple avec un président. Tu as une onction de riche, ma chérie. Bon, une onction bloquée, bien sûr. J'ai dit à la femme, première des choses, un homme que quand il est fâché avec toi, il te coupe l'argent. Ma chérie, tu dois être sage. Il ne doit pas connaître tes sources de revenus. Donc, tout argent qui est dans ta poche, il ne doit même pas savoir. Cherche le terrain que tu peux acheter. Commence à construire sur ce terrain-là. Ton activité que tu commences là, ne fais plus jamais l'erreur de prendre le bénéfice de ton activité. Tu peux mettre sur sa maison. Que tu es folle. Au poids. Oh. Regarde, je suis restée regarder la fiancée. Il voulait la fouetter. Il ne savait pas ce qu'elle devait faire sur elle. Gars, il faut avouer quand même que. On ne me voit pas, on me parle au téléphone. Arrêtez de vouloir me voir. Arrêtez.
Même ceux qui sont au Cameroun, je vous consulte au téléphone. Tu arrives, tu entres dans ma salle de consultation, on fait l'appel vidéo, je te parle. Tu as compris? Mais ne devenez pas folle à ce point. Ne devenez pas bête à ce point. Si tu te lèves comme ça chaque jour, tu n'as pas une activité qui va faire que 100 francs, 500, 10 000, 20 000, 50 000, 300 000 entrent dans ta poche. Tu es en retard. Même si c'est les beignets que tu dois faire, tu déposes devant la maison. Tu sais qu'à la fin de la journée, j'ai 5 000 francs dans ma poche. Il y a certains hommes que quand tu commences, vraiment, je n'indexe pas moi les hommes, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est que les idées qui viennent dans ma tête, c'est que dans ce sens-là. Quand tu, il est là, il paye bien les choses à la maison. Bonjour, bonjour Lisette. Il paye les choses à la maison. Amga que Lisette. Quand il voit que tu commences une petite activité, j'ai un fils là une fois. J'ai même régné le fils là depuis longtemps. Je prends même le frigo, je donne à sa femme à la maison. Il vivait dans une chambre avec elle. Je dis, paye l'eau glacée, tu mets dans le frigo. Dans votre quartier, quand les gens vont venir prendre payer l'eau, non. Elle a fait un peu son eau. Après, elle a un peu d'argent. Elle a commencé à faire le bouillon pour vendre au quartier. Le gars a arrêté de rationner à la maison. Que ma femme travaille déjà. Hop. Il arrête de rationner. Il dit, mais mon frère, tu es fou. Il a fait comme pian pian. Le frigo, là, c'est gâté, non. Tout ça, c'est gâté, non. J'ai dit, c'est bon. Je ne donne même plus rien. Je ne donne plus rien. Donc, il y a certains hommes que quand ils voient, tu fais une petite activité comme ça, là. Non, ils te laissent maintenant toutes les charges de la maison. Ma chérie, si tu vends, tu gagnes 10 000. Dis-lui que tu as eu 2 500. Ne donnez pas les montants de vos réunions. Non. Tu fais 4 réunions, dis-lui que tu fais demi-réunion quelque part. Il complète même encore le demi-nom là. Oui. Dis que j'ai un demi-nom quelque part là-bas. Ouais, complète même le demi-nom sinon. Oui, il complète, tu fais un nom. Les autres 3 réunions là, tu fais comme pian pian, jonglage. C'est vrai qu'on a le couple, la raison pour laquelle les femmes, parce que j'ai investi toutes mes années dans le mariage. J'ai investi, maintenant il part, il mange avec une autre femme. Non, ma chérie, tu as été bête, c'est tout. Tu as été bête. Ok? Maintenant que tu te rends compte, tu as encore tes 2 mains et tes 2 pieds. Même si tu n'as récemment 1 main et 0 pied. Première chose, établis des sources de revenus. Il y a quelque chose que tu sais faire. Même si c'est la nourriture que tu sais vendre. Je commence toujours par la base. Parce que moi, j'ai des gens qui vont souvent venir dans mon bureau. Vous allez venir. Si quelqu'un reste avec moi 2 jours, tu vas voir le genre d'argent que je roule. Tu vas commencer à dire, ah, elle a l'argent. Tu vas commencer. Non, je dis non. Rentrez voir dans mon passé. Rentrez voir dans mon passé. J'ai eu les périodes où j'étais en France, j'ai vendu les croquettes. J'ai coupé les croquettes avec mes mains comme ça pendant 5 heures de temps par jour. Ceux qui sont à Reims, qui me suivent, Reims de France, je vendais les croquettes à Reims. Je portais comme ça à Birmingham, je portais les croquettes, je pars dans le bus, je fais 1h30 pour arriver à Coventry. Birmingham, Coventry, c'est 1h30. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer le... Parce qu'il y avait le train c'était... Ou le train, c'était 15 pounds. Le bus, c'était 1 pound pour aller, 1 pound pour rentrer. Maintenant, je crois que c'est 2 pounds. Je m'assois dans le bus 1h30 pour arriver à Coventry. Donc, plusieurs fois dans ma vie, j'ai commencé en bas. En bas. Je fais les croquettes au salaire. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. L'argent que je prends là, je remets encore dans les croquettes là. L'argent que je prends, je remets encore dedans. Tu vas voir mon business en 2 semaines que ça a... J'ai une augmentation même de 300%. C'est possible. Donc arrêtez vos excuses bizarres, vos excuses à la con là. Tu connais faire les boulettes. Fais les boulettes avec le pain que tu déposes devant la maison que tu vends. Parce que je suis consciente que vous là qui m'écoutez, vous avez tous les niveaux de vie m'écoutent. J'ai des femmes que vous n'avez même pas 5 000 francs par jour. J'ai des femmes que vous avez 500 000 par jour. J'ai des femmes que... Je dis que... Bonjour le...
Tarsiana depuis N'Djamena. J'ai le roi Feuyo, un de mes fils aussi qui est en N'Djamena. Pour moi, N'Djamena, c'est tout comme s'il n'y a pas le business là-bas. C'est pour ça que depuis, vous ne m'avez pas encore vu. Bon. Tu prends l'argent que tu as produit là, tu mets, tu remets dedans. Tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Si c'est que tu as besoin de faire les vidéos et que tu as besoin d'un bon appareil photo, décide-toi. Depuis que je t'ai demandé mon du visa, ça veut dire quoi? Marie-Aimée, pardon, écrit encore bien. Bonjour Julie. Donc je vous expliquais sur l'argent. Tu as le premier argent, tu ne le manges pas. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu dois voir ce que tu veux faire dans 2 mois, dans 6 mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai peut-être 3000 francs par jour. Si je passe 5 jours à vendre, 5 fois 3, ça fait 15 000. Les 15 000 là, au lieu de fabriquer la marchandise de 10 000 par jour, je reprends les 15 000 là, j'injecte dans le business, je monte à 20 000 par jour. Après, si possible, je prends même les petits gars au quartier, je les envoie maintenant, au lieu que ce soit moi qui parte livrer la marchandise, c'est maintenant les enfants. Je dis, peut-être, je te prends petit, tu me vends, au lieu de que moi je parte vendre. J'ai pour bénéfice de la journée 10 000. Je prends 3 petits garçons. J'ai déjà augmenté la marchandise. Donc, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je prends 3 petits. Je les paye par jour 3 000. Les 10 000 qui vont me rapporter, je leur donne 3 000, je gagne 7 000. Les 7 000 de bénéfices que je prends, je ne mange pas. Bonjour la reine Rolande. Je ne mange pas. 7 000 fois 3, ça fait 21 000 par jour. Alors qu'au départ, j'étais à 10 000 par jour. Et ça prenait mon temps. Quand j'envoie les enfants là pour aller vendre, j'ai le temps à la maison pour créer encore notre business. Vous devez être intelligente. Oh, quand il parle de ça, j'ai envie de vous gifler même souvent. Je veux taper votre tête pour que ça souffle. Tu prends l'argent là qu'ils apportent, tu gardes. Une partie, tu gardes. Et la nutrition ne trompe pas. Quand tu fais dans la nourriture, ça ne trompe pas. Et non de l'ail. Tu reprends les 7 000 qu'ils te donnent chaque jour là. Tu dis, décide maintenant que, ok, soit tu décides d'agrandir encore le business. Tu peux rester sur une seule activité, tu agrandis seulement. Maintenant, je vais acheter les machines qui vont me permettre de fabriquer plus rapidement. Au lieu de prendre tout le temps, je fais avec mes mains. J'achète la machine. La machine peut-être coûte 100 000. Au bout de 2 semaines, je peux acheter une machine. Une machine, ça veut dire que je produis plus. Je vends plus. Maintenant, j'approche les supermarchés. Je propose mes produits. J'ai les gars qui vendent dehors. J'ai le supermarché. Je peux aussi mettre maintenant sur Facebook, puisque je peux produire assez. Donc, même si j'ai 100 commandes par jour, je peux te fournir les 100 commandes. Voilà comment tu es en train de devenir petit à petit. Tu es en train de te voir il y a cela 3 mois. Tu étais petite. Parce que vous croyez que quand il vous dit que tu te laves avec le sel là, quand tu te laves avec le sel, ça ouvre tes idées. Ça fait que quand tu touches quelque chose, ça marche. Maintenant, quand ça marche, tu dois avoir l'intelligence sur ça. L'intelligence, c'est pas que on dit que oh, les Bamlékés sont intelligents. Non. C'est qu'on a développé la capacité à être focus. On ne mange pas l'argent n'importe comment. Moi, mon argent, je l'investis. L'argent, c'est pour investir. On ne mange pas l'argent n'importe comment. Quand quelqu'un vient dans ma vie, si tu es dragueur, ticone, décepticone, exticone, famiticone, enfanticone, je te dis toujours, tout ce qui sort de mon business, je le réinvestis dans ce même business. Quand tu arrives quelque part, tu veux prendre un local, il te faut prendre, tu dois payer le loyer, tu dois aménager, tu dois payer la marchandise pour mettre là-bas. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas encore de réunion qui peut vous donner l'argent. Vous n'avez pas encore de banque qui peut vous donner l'argent. Ma chérie, je crois que je dois faire un livre là-dessus parce que je suis en train de faire une série de livres. Je dois faire un livre, mais vraiment, je veux faire un petit bouclet, tout petit comme ça. Tu n'as pas besoin, c'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier.
Parce que généralement, ton premier argent, tu prends, tu vas donner à B. B fait quoi avec? B va manger, non? Premier argent, tu prends, tu vas acheter le sac avec. Tu vas faire quoi avec le sac? Premier argent, tu prends, tu vas... Non. Tu dois être focus. Comme DJ Khaled dit, focus. I have to maneuver the jungle. Yeah, I'm a king. Les 5 premières années, tout ce que vous devez faire, réinvestir, réinvestir. J'ai besoin du téléphone. Ok. Le petit téléphone que j'ai maintenant là, il me faut le petit téléphone Android. Parce qu'avec le téléphone Android, je peux faire les publications, je peux vendre maintenant en ligne. Tu décides que chaque semaine, je mets ça, je mets 10 000 de côté. 4, 5, 6. Au bout de la troisième semaine, tu vas maintenant mettre que 15 000 de côté. Parce que l'argent appelle l'argent. Quand tu as l'argent dans ta poche, l'argent là va appeler plus d'argent. Après, tu peux acheter un téléphone peut-être de 60 000. Comment ça veut te faire 60 000? Tu te lèves le matin. Ce n'est pas pour faire les statues, pour mettre que, voyez-moi, je suis belle. On fait quoi avec? On fait quoi avec? Tu prends le téléphone, tu filmes les produits. On check ton statut. Tu as posté 50 photos le jour-là. Les 50 photos-là, c'est que les produits que tu vends. Tu te mets sur le téléphone. B veut te parler le matin. Non, B, je n'ai pas le temps. Je suis occupée. Je dois relancer mes clientes. Je dois relancer mes clientes. Te voilà sur le téléphone. Bonjour, madame. Oui, vous voulez qu'elle? Oui. On vous donne combien? Mais vous pouvez aussi prendre pour votre soeur. Tu parles. Pour faire la bonne tchatch. Dès que la cliente la donne la pim, tu pointages, tu déposes dans la poche. Pointage, tu le déposes dans la poche. Après, tu comptes ton argent le soir. J'aime garder mon argent sur moi souvent. Hein. Tu déposes le soir, ça, tu verses ça sur le lit comme ça, tu regardes aussi. Tu dis yes. Après, tu dis que ok. Si ça continue comme ça dans une semaine, j'aurai déjà, au lieu d'avoir 25 000, j'aurai 150 000. Intéressant. D'accord. Avec 150 000 maintenant, je peux aménager l'espace. Si le maçon m'avait dit qu'il me fallait 50 000 pour fermer les bonnes chaises, comme ça, quand les gens viennent pour manger, il ne pleut plus sur eux, tout ça. Tu dois améliorer ton business. Pas le truc qu'on voit ton local 5 ans plus tard, c'est tout la même chose. Tu arranges la peinture, tu arranges les chaises, tu achètes un parasol. Au départ, tu achètes le parasol de 5 000. Quand ça s'améliore, tu prends le parasol de 30 000. Après, tu fais les tôles, tu tôles l'endroit. Ouais, ok. Je vous donne mes petits secrets. C'est pas sorcier. Devenir riche. Il n'y a pas la sorcellerie sur ça. Le fournisseur chez qui tu prenais tout le temps. Tu prends. Tu vends. Après, tu dis que mais je peux aussi aller moi-même m'acheter ça en Chine. Ok, pour le visa pour aller en Chine, il faut combien? Tu te renseignes. Pour faire les papiers, pour les papiers, il faut 800 000. D'accord. Billets d'avion, logement, peut-être 1,5 million, tout ça là. D'accord. Ça veut dire que si tu as 2 millions, et puis tu as encore 2 millions pour la marchandise, te voilà maintenant tout ton objectif. Parce que tu sais que si tu rentres avec 2 millions de marchandises, et tu arrives sur place, tu te fais les contacts. Ce qui fait que les prochaines fois, tu n'as pas besoin de voyager encore. Tout ton objectif, c'est que j'ai 4 millions, je sens que je pars en Chine. Et écoutez, quand tu suis ce que je te dis là, aucun argent n'est perdu. Même si tu pars en Chine, la marchandise que tu prends là-bas, tu reviens avec, tu ne vends pas comme tu voulais. Tu as appris et aussi tu as écouté ce que l'esprit te disait. Quand l'esprit te conduit, parfois l'esprit va te conduire dans une direction et ça ne va pas porter les fruits immédiatement. J'ai des investissements que j'ai fait, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent les investissements que je fais. Je peux parfois tomber sur un truc comme ça. Là, je vois 5 produits. Les 5 produits me coûtent 500 francs CFA. J'achète. Je reviens avec. 2 de ces produits-là, je vends à 10 000. Tout le stock sort. 3 des produits-là, je vends peut-être 10%. Ça reste. Je n'ai pas perdu. Hein. Je n'ai pas perdu. J'ai appris. J'ai agi. Et à chaque fois que vous apprenez, dites-vous toujours, même si le gars s'est mis escroqué, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris? Après ça, le lendemain, tu focalises ton énergie. Il nous faut de l'argent encore. D'accord. Le canal s'est déjà fermé. Ça, c'est fermé. D'accord. Il reste ça. Je centre ici. Voilà. Allez. Il me faut. C'est comme ça.
Dès que tu as l'argent pour s'entrer en Chine, tu te lances. Tu cherches quelqu'un, tu laisses dans ton magasin au Cameroun, tu pars. Si c'est Turquie, tu pars. Tu peux arriver sur place, quelqu'un te montre le business des téléphones. Tu as même un petit 1 million là-bas, le temps là. Au lieu d'acheter seulement tes habits, tu achètes maintenant les téléphones même. Tu rentres, tu fais un coin dans ta boutique où tu vends les téléphones. Tu vendais les beignets, ça fait quelques temps, hein. Ça fait 6 mois, tu vendais les beignets. Aujourd'hui, tu es parti en Chine jusqu'à ce que tu es revenu. Tu crois qu'après 2 voyages en Chine, tu auras encore le même chiffre d'affaires? Tu crois qu'après avoir deux tours en Chine, tu auras le même chiffre d'affaires? Moi, il te dit que non. Moi, il te dit non. Tu es toujours dans les faux problèmes. Oh, tu m'as dit que, tu avais dit que, je l'ai dit que, oh, dit que. Que gars, non, je veux vendre mes produits. Je suis sur mon téléphone, ce qu'elle parle, c'est quelque chose qui va vous aider, après ça va m'aider. Donc vous allez voir que quand ces gens-là vont venir pour vous décourager, il n'y aura même plus l'espace. Parce qu'ils vont parler, ça va tomber dans les oreilles qui sont sourdes. Je n'ai plus, non, il n'y a plus l'espace. Je ne t'entends plus. Je suis trop occupée, je dois gérer le conteneur qui arrive bientôt. Oui, je dois avoir de la marchandise, et puis je dois aller voir le banquier, parce qu'on doit finaliser ça. Tu n'as pas le temps. Tu rentres à la maison, il est 22h. Tu te couches, tu dors, tac, 4h, tu es debout. Tu n'as pas le temps pour faire les problèmes. B veut même faire les problèmes. Tu dis que B, il est en train de s'engueuler avec toi, tu es en train de dormir. Parce que tu es fatigué. I don't wanna be when things don't go. I don't wanna go back to where I was before. Che, che, che. Donc je vous souhaite une très belle journée. Si vous n'agissez pas sur les idées que vous recevez, personne ne va le faire pour vous. Si vous n'agissez pas sur les idées que vous recevez, personne ne le fera pour vous. Le volume est bon, non? Ce n'est pas moi qui vais venir faire pour vous, parce que je suis en train de faire ma part. Ce n'est pas B qui va venir faire, parce que B lui-même est en train de faire sa part. Ok? Et il y a un niveau où tu ne souffres plus. Même dans ta tête, tu ne stresses plus. Tu sais que demain, j'aurai l'âme. Après demain, j'aurai l'âme. J'aurai encore l'âme. Tu es sûr que, tu es sûr que. Parce que tu as développé le mental. Ton mental est devenu un mental d'acier. Tout le monde te quitte. Tu dis partez. Je ne sais pas où tu le... C'est maintenant que mes employés ont compris. Mes employés, j'ai passé presque 2 ans. Chaque 3 mois, je renvoie. Parfois même chaque mois, je renvoie les employés. Quand ils viennent faire un peu je leur dis qu'aucun de vous n'est indispensable dans mon entreprise. Parce que tout ce que vous faites là, il y a cela 3 mois, c'est moi qui faisais. Tout ce que vous faites, je faisais ça seul. Je gérais Facebook, je gérais YouTube, je gérais WhatsApp. Je partais faire la marchandise, je faisais les colis, je faisais des achats, je faisais ça seul. Donc ne venez pas essayer de commencer à faire votre côté. Souvent, quelqu'un va venir, va croire que sans moi, il ne peut rien faire. Hein? Sans toi. Essaye de partir, tu vois. Try. Essaye de partir, tu vas voir, non. Essaye, non. Même vous, là, que après vous ne me suivez plus, vous arrêtez de me suivre. Ne me suivez plus. Je n'ai pas dit que je suis l'essentiel. Parce qu'on n'est pas nés ensemble. Il y en a qui entrent dans ma vie. Après, vous croyez que non, comme vous êtes dans ma vie, là. Vous devez devenir votre esclave. Non, je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je donne les conseils. Celui qui veut écouter, l'écoute. Celui qui ne veut pas écouter, laisse. Parce qu'on ne force pas un adulte. On ne force pas un adulte pour ton propre bien. C'est quand tu étais petit que ta mère t'arrêtait et te forçait et mettait le remède dans ta bouche. Tu es agrand. Ne bois pas, tu as compris. Ne bois pas, ton ventre va te faire mal. Ne bois pas, tu vas souffrir. C'est ton corps qui fait mal, non? Oh, la vie, c'est... Dieu a tellement bien fait la vie. Dieu a bien fait la vie. Tu avais un homme, peut-être tu lui dis, voilà, mettons ça en place pour pouvoir avoir l'argent. Faisons comme ça. Il refuse, tout doit avec les femmes. Tout doit avec les femmes. Tu fais un petit truc, tu achètes la voiture. Il avait ta voiture là. Il dit, j'ai la voiture. Giga. La voiture là, c'est rien. Viens, on walk encore, on achète même 4 voitures. Viens, on walk. Comme il croit qu'il maîtrise, il est orgueilleux, il connaît. Tu le laisses partir, non? Donne-lui 3 semaines dehors. Donne-lui 3 semaines. Il va t'appeler, il va tout te promettre. Bébé, je t'aime. Tu m'aimes. Dis que tu n'as plus l'argent. Dis que l'argent est fini.
Ibé, je t'aime, tu aimes quoi sur moi? Moi, je suis trop cru, franchement. Que le Seigneur me pardonne. Bon, je suis pardonné. Bon, passez une très belle journée.